Salut tout le monde, c'est Corleone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de Wolfenstein 2. Alors écoutez, on est arrivé sur la planète Vénus, j'avais bien halluciné. Et puis maintenant, on va continuer notre investigation. Salut les boulets. Jamais on dirait aussi ces traces de chien. J'ai vu un truc ici. Allez, Julia. Faire mieux que ça. Jamais on dirait. Oh. Bref. Jamais on dirait aussi ces traces de chien. Je me disais, il a des yeux bizarres, cet Quel individu. Gros naze. Je dois m'asseoir. Où est ma chaise? C'est parti. Être ou ne pas être, telle est Comment je la vais question. Faire pour me rappeler de ça? Êtes-vous Il faut que je l'écrive. Une pute nazie. Je vais vous violer, vous tuer. J'anéantirai votre race de chien. Ah ouais, ça c'est. À vos places, à vos places. Vite, vite. Oh. Il est pas en bonne forme. Helene, kommen Sie. Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja. Es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und besser konnten wir nicht finden. Putain, il part en couille déjà. Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, 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 das kriegen wir. Gott, nochmal. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Ja. Magisch. Magisch. Putain, mec innocent. Pyjama. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung, ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist er ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh oui, mein Führer. Et mes enfants l'ont lu aussi. J'ai adoré, Monsieur Hitler. Super bouquin. Monsieur Hitler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Dann, ja, Ihre Worte krasch. Gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist! Je vous demande pardon, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? Non, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? Non, non, mein Führer. Je suis originaire de l'Arizona. Oh. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von weitem. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh. Oh. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. Okay, pas de problème de prostate. Josef Blaskowitz. Bon, on n'a pas le droit à l'erreur hein, dans cette audition. Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundert-Epos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. En fait,
On n'aura pas besoin de le tuer, on a juste à le laisser. Oh putain, merde. Sie spielen die Szene. Hélène, zusammen mit ihm. Un terroriste dépourvu d'humanité, c'est tout ce que vous êtes. Merde, mais qu'est-ce que j'ai écrit? C'était ça. Et vous, vous êtes une pute nazie. Espèce de monstre, qu'est-ce que vous allez me faire? Un truc avec un viol. Voilà. Je vais vous violer et vous tuer. Vous avez détruit la vie de tant d'innocents. Mais la race allemande renaîtra de ses cendres. Merde. Et j'anéantirai votre race de chiens. T'as kiffé? C'est bon? Die Worte waren richtig, ja. Aber sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Josef Blazkowicz. Wie können sie sein, was sie nicht verstehen? Sie. Spielen sie die Rolle. Füllen sie die Rolle! Un terroriste insensible! C'est tout ce que vous êtes! Et vous, une pute nazie. Oh, espèce de monstre, qu'est-ce que vous allez me faire? Super. Je vous violerai jusqu'au trognon. Ah, il kiffe Adolphe. La vie de tellement d'innocents. Mais la race allemande renaîtra de ses cendres. Et j'anéantirai aussi cette race de chiens. Wie besser! Sie könnten von ihm lernen. Ich gebe ihnen, was sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. Ja, il a vomi, il a pissé. Josef Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Die fällt quoi? Hélène, machen Sie weiter. Ich bin müde. Messieurs, comme vous le savez, ce rôle est très physique. William Joseph Blazkowicz n'est pas un intellectuel. C'est un homme d'action. Cette scène a lieu avant celle que vous venez de jouer. Blazkowicz s'apprête à poser la bombe pour massacrer les enfants allemands de l'orphelinat. Mais avant toute chose, il doit éliminer le brave soldat qui garde l'entrée de l'école dans une séquence de combat particulièrement brutale. Monsieur Lewelling et Ewing? Llewelyn Ewing. Ja, commencez donc. Je pense qu'il a crevé. Chacun de vous improvisera une séquence de combat. Une fois le garde éliminé, vous terminerez la scène en lisant les répliques de la carte telles qu'elles sont écrites. En place, und action! Putain, le gars. Stop! Arrêtez! Oh, je saigne. Mince, on fait une pause. La réplique. Je dois voir un docteur. La réplique.
Votre bravoure ne suffit pas face à un néandertal de mon envergure. Et puis, je ne sais me battre qu'à la déloyale. Je m'apprête à tuer des enfants innocents. L'avenir de l'Allemagne. Pourquoi? Bon, on n'est plus que deux apparemment pour le rôle. Monsieur Redfield, je vous en prie. Mettez-vous en place. Und action! Dann mach es mal richtig, du Wichtigtor. Voilà, t'as kiffé là, ça c'était de l'interprétation. C'est ça que vous vouliez? C'est ça que vous espériez? Sale enfoiré de nazi. Parce que c'est ce qui vous attend. Wunderbar! Wunderbar! Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle! Oh, er wird mein Blaskowitz! Oh Gott! Er ist mehr als perfekt! Bon, on a eu le rôle. Je vais vous aider à ranger vos affaires, monsieur. Was zur Hölle ist das? C'était mon arme. Accroche-toi, Adolphe. Je me barre d'ici avec des codes Odin secrets. Ensuite, on volera à Ausmerzer, on tuera le général Engel, et on montrera aux Américains ce qu'est une révolution. Tous ces fruits, c'est bon pour la santé. Manger 5 fruits et légumes par jour. Un peu de vinasse. Voilà. Bref. Voilà. Un peu de discrétion. Ça fait du bien. Hop. Merci pour les munes. Parfait. Je devrais aller améliorer mes armes maintenant. Nichts. Je fais un petit peu de fouille. Donc, hop, indisponible. Je crois qu'on a quelques soucis à se faire. Voilà. Ah, j'ai pas beaucoup de mines. Putain, c'est quoi ce petit rebord qui saoule plus qu'autre chose. Pour l'instant, on a l'air en sécurité. Yam yam. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Rien du tout. Je pense que la sortie est par là.
Alors, excusez-moi, je vais prendre un petit moment pour améliorer mes armes. Il est où le choc? C'est quoi ça? Ça c'est déjà fait. Machine pistolet, j'utilise jamais. Ça le attends, laser craft machin, ça j'utilise souvent. Une meilleure batterie, oui, et allez, voilà, juste regarder. Alors oh. Tranquille. C'est bon, t'as fini de brûler? Merci. Alors moi je cherche un peu de mun en fait. Oui. C'est bon. Ah non. Et pardon. J'ai pas fait exprès. Voilà. Voilà, un peu plus tranquille. Bien entendu, pas complètement. Mais ça fera l'affaire. Donc continuons notre petite balade. Jamais tranquille, hein. On va manger un petit peu et on continue notre investigation. Ok, je peux aller là? Non, je peux pas aller. Je continue par ici. Alors là, il y a quelque chose de gros d'après moi. Ou non?
Y'a rien du tout. Par contre, les balles, ça, je vais pas dire non. Par sécurité. Toi. Merci. Je sais pas par où aller. Était là au fond. Non. Non. Exagéré non plus. Donc, bon, si vous voulez lire, vous savez comment faire. Alors nous on est là. D'accord. Écoutez, moi je visite un peu là, j'aime bien. J'aime bien faire ma petite visite tranquille. Bref, on continue notre petite balade tranquillement. Oh. Ok. D'autres? Non. On peut y aller. Et voilà, mon billet vers la surface. Hop. Ah non. Il attend la capsule. Transportkapsel bereit zum Einsteigen. Et voilà. Ouais. L'air est lourd, une chaleur écrasante, comme au Texas en plein mois d'août. Sauf que là on est sur Vénus, regardez ça. Voilà, bon, alors écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, ça fait toujours plaisir.
Le petit pouce bleu, ben, ça m'aide au niveau du référencement. Et si vous voulez continuer à suivre mes aventures, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!